ça c'est sur ta tête. Attends, tête de méchant. Attends, regarde. Qui a dit les blancs ne savent pas sauter? Pam! Tiens, ton dernier. Ouais. Encore. Juste pour le fun. Allez, hoops! Regarde là. Ah, celui-ci, c'est magnifique. Celui-ci, il fait mal. On oublierait bien de vous dire bonjour. Mesdames, mes enfants, mesdames, mes vieux, mais tout ce que vous voulez, NBA 2K3. C'est magnifique. NBA 2003, je sais, gars. Bah, on va le tester sur PlayStation 2, regardez comme c'est beau, c'est le sport. C'est beau. Alors la série des NBA 2K3, alors c'est la série des jeux de basket du Touquet. Ça se passe au Touquet. La Normandie, le charabas. Je voulais la faire un peu plus loin dans l'émission, celle-ci je t'en avais pas parlé exprès pour la voir. Eh bah, elle est faite. La blague du Touquet. C'est pour moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc la suite de NBA... Touquet 1 et Touquet 2, voilà. Qui étaient sur Dreamcast. Dès les premiers Touquets sur Dreamcast, on a toujours le petit poulain Iverson. Bien sûr. Le grand Iverson. Alors, ils ont basket. Misé dessus avant qu'il soit au top du top. Comme le basket, bah, le basket, c'est le basket américain. C'est pas le basket français avec... Donc, Portez avec il y a Bilbao, le basket c'est une affaire d'américains, c'est une affaire c'est une affaire de black, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de black qui jouent au basket, tu le savais? Ah bon? Donc voilà, c'est un jeu qui arrive à point nommé parce que le jeu de basket sont légion sur les consoles. Vas-y, enchaîne. Et que là, bah, il faut que je mette ça, excuse-moi. Là, on a une simulation, je dis bien, c'est une simulation de basket, la seule, l'unique, la vraie, la plus représentative et la plus complète. Alors regardez, donc, les modes de jeu. Shoot basket. Tu vas voir, ouais. Alors le quick game, qui nous permet de jouer rapidement, on va faire ça en premier. Le game modes, avec les différents modes de jeu, un mode street, tu vois là-haut. Yes. Un mode franchise. Alors le mode franchise, c'est un mode de tournoi, c'est un tournoi. D'accord. Season, la saison avec tous les clubs côte est ou côte ouest. Yeah. Les playoffs, et ben c'est le comme tournoi, le playoff, c'est les meilleurs à chaque fois de la conférence est et de l'ouest. Le encore un petit mode tournoi et le mode practice. Donc on revient en arrière, on vous montrera aussi qu'il y a la possibilité de charger. Alors on va le faire tout de suite. Une petite surprise pour la fin. Pardon ? C'est maintenant ? Ah non, c'est pas tout de suite, c'est pour la fin du Level 1. Je fais juste que la charger, parce que vous savez que l'équipe du Level 1 est présente dans cette mouture du jeu. On peut faire son équipe. On va peaufiner un truc. Donc, alors c'est surprise, c'est cadeau. C'est surprise, c'est cadeau, c'est pour la fin. On a le Roger Manager dans lequel on peut rentrer. C'est là qu'on utilise, qu'on peut créer ses personnages. Regarde, par exemple, tu peux créer tes les players. Là, je les montre pas. Elle-même. Parce qu'il y a une petite surprise. Tu peux créer l'équipe. Avec votre logo. Tu crées ton équipe avec ton logo. Avec vos faciès et tout ce que vous faut. Allez créer. Après, tu as le Playbook Manager pour organiser les systèmes d'attaque et de défense. Voilà, regarde là par exemple. Non, vas-y, regarde. Là, je me tais. Là par exemple, tu fais le Motion PG qui consiste à faire une rotation de balle de droite à gauche en repiquant sur le centre au défenseur central. On peut coacher. Équipe, technique d'attaque, technique pour vaincre tout le long de la saison. Pour être les champions du monde, c'est NBA, quoi. C'est quand même un truc d'anthologie, c'est quand même un nom que tout le monde a entendu. Même le plus grand pécor qui élève des oies Peta ou Schnock, il connaît. Il connaît. NBA, avançons, on va choisir des équipes. Alors moi, ce que je conseille, c'est que dans ce jeu, ce qui est formidable, c'est qu'on peut prendre les vieilles équipes de basket des années 80, des années 70, 50 et 60 et 90. Il y a toute une pléiade de vieilles équipes. Alors regarde, moi tu veux prendre les légendes des années 90 ou 80, moi je vais prendre les légendes est des années 80. Toi, ce que je te conseille, c'est regarde, va encore à droite, encore un petit peu. Voilà, et là tu peux choisir. Ça c'est les saisons actuelles, ça c'est en 2003. Ça me paraît pas mal, ça. C'est pas mal, vas-y, c'est les nouveaux avec les Iverson, les Tony Parker, tous les meilleurs. Donc voilà, mets-toi sur la droite, je suis sur la gauche et on est parti. Alors, c'est les grosses équipes. Les grosses équipes. Contemporaines et les anciens, celles qu'on a tous dans les paquets Panini. Ah, dans les albums. Bien sûr, les vieux paquets. Les albums avec on jouait à la tapette dans la cour de récréation pour avoir l'image de Jordan. Ça, c'était pas mal. C'était à la bonne époque. Dans la cour de récré et tout. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'au début, il y a une présentation des joueurs. On va les regarder parce que moi, j'aime bien voir mes vieux champions de basket de l'époque avec Charles Barkley. Michael Jordan, Patrick Ewing, regarde la collection de beaux joueurs que j'ai moi. Années 80, j'ai Larry Bird, Karl Malone, Michael Jordan, Isaiah Thomas, Mac Hale et toi. Ah, on a tous les deux Jordan. On a tous les deux Jordan. Ouais, parce qu'il continue lui à jouer aujourd'hui.
Alors le mien sera peut-être un tout petit peu moins performant que le tien, force de l'âge. Ah oui, bah forcément. Sera un peu usé. Forcément, bah, on va voir leur tête justement. Alors c'est une simulation. La simulation, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu plus de mal à faire des beaux dunks, des 360 avant de marquer. Là, vraiment, il y a une construction de jeu à faire et des stratégies à adopter. Voilà, l'entrée des joueurs. Moi, je trouve ça magnifique. Alors regarde-moi ça. Ça claque your hands. Regarde ça. Les Celtics de Boston, avec Michael Jordan, avec son t-shirt Bulls, tu vois, il a le vieux t-shirt de l'époque. Derrière, t'as Larry Bird. Ah non, ça c'est Isaiah Thomas, le numéro 11. Ah, yes. Des Pistons. Tu maîtrises bien. Hein. Bah, j'achetais les magazines de basket à l'époque. Larry Bird. Larry Bird. Comment il s'appelle? Il était quelle origine, le Celtic de Boston? Je sais pas du tout. C'était un Irlandais. Ah, c'est un Irlandais. Ben Dunstan. Bon, bref. Allons-y. Comment s'appelait le tout petit Muggs? Muggs. Il faisait combien, 1 mètre combien? Il était très bon. Il faisait 1 mètre 60. Je ne sais pas. Alors voilà, moi je suis. Toi tu es les blancs et moi je suis ceux qui sont avec leur t-shirt de l'époque finalement. Ouais. Ils ont gardé leur bon vieux t-shirt. Alors, au niveau donc du gameplay, c'est assez compliqué parce que pour aller au panier, eh bien la défense à chaque fois devant, elle est bien affûtée. Je te colle. Voilà, et j'ai fait un petit. T'as fait une petite faute. C'est moi qui ai fait une faute. J'étais trop collé. J'étais en train de me la raconter. Je te colle. Alors là, c'est pas évident pour. Il faut réunir les deux flèches au-dessus du panier. Voilà. Attention. Oh. Ça va pas être bon, ça. Ah, c'est à côté. Ça ne va pas. Alors, c'est pas évident. J'en ai encore deux, normalement. Alors, je me concentre. Deuxième chance. On y va. Action. Attends. Je l'ai fait trop tôt. Ah, j'y arrive pas bien. Je vais pouvoir te déconcentrer, je pense. Ah, c'est encore râpé. C'est dommage. Et tu es au rebond. C'est un raté, monsieur. Quand tu appuies sur le triangle, tu vas voir qu'au-dessus, le triangle, tu vois qu'apparaît au-dessus de tes joueurs des petits signes pour lesquels, quand tu appuies sur le bouton, ça ira directement, ça fera une passe directe à ton joueur. Donc voilà, okay. Ce qui permet de construire de loin le jeu, disons. Après, tu es obligé. Tu es obligé de construire ton jeu en essayant de dribbler avec le bouton rond. Alors, il faut essayer à chaque fois de se frayer un petit chemin entre les joueurs, de faire une passe, faire beaucoup de passes. Et c'est pas évident. Attention, je vais y arriver. Vas-y. C'est vraiment pour les connaisseurs de basket. Hein. C'est vraiment pour le mec qui s'y connaît, le mec qui veut élaborer une stratégie, qui veut faire toute une saison. Et qui veut... C'est super dur. Ah ouais, c'est super dur quoi. C'est pas bon là. Hein. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Vas-y, réessaye. Ce serait bien de remettre un. Je le refais. Je vais y arriver. Je vais y arriver parce que c'est très léger. C'est X pour lancer. Hein. C'est le bouton R. Tu réunis avec les deux gâchettes comme ça sur le côté. Et c'est le R pour valider. Voilà, vas-y. Oh, il est beau. Il y est. Ah, pour shooter, c'est R. Pour shooter, c'est le carré, mais dans le cas des lancers francs. D'accord. Regarde là comment tu peux dribbler, tac, tu peux dribbler, hop, tu dribbles comme ça, hop, Larry Bird, tac, il arrive dans la surface de réparation. Ah non, c'est pas la surface de réparation, c'est la surface de dribble, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, à 3 points. Dans la raquette. Ah, il est très habile à 3 points. C'est la raquette, Pepe. Voilà. Oh, je récupère la balle. Alors, petit souci, je sais pas, moi j'aime pas trop, mais alors ça se rectifie, c'est la caméra. Moi j'aime pas que quand on joue comme ça, le panier je le trouve trop loin et j'aime bien quand il est plus près. Quand mon joueur est beaucoup plus proche du panier, parce que tu vois, là, moi je te trouve trop loin du panier. C'était un joli petit coup. Ouais, le Yannick est bon, Yannick est pas mauvais. Alors attention. Regarde ce qu'on peut faire. On va dans les options. Il va me faire sortir. On va dans les options. Il voit que je prends le. Et tête. On va dans caméra. Yes. Joli. Et dans caméra, 3 réglages pour la caméra. En hauteur, en billet, en perspective, je ne sais pas ce que c'est ISO, et la caméra de côté. ISO, mais c'est les normes de qualité, l'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu plus proche, comme ça, et de se rapprocher un petit peu du panier, du panneau. Je te laisse faire, ça c'est le côté technique, voilà. C'est toi qui a bossé, c'est pour dire que c'est un jeu de simulation, c'est-à-dire que tu peux vraiment orienter ta caméra comme tu l'entends, quoi. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ça va très loin, tu peux élaborer toutes tes stratégies, tes tactiques, etc. Dès que j'appuie sur le bouton changer de personnage, c'est Jordan qui vient. Quoi. Ah bah il est toujours là, il est dans tous les coups. Oh, je te pique la balle. Bravo. Alors où est-ce que tu es, toi? Je suis là. Ah, la Dream Team, le 5 majeur de 92 aux Olympiques de Barcelone, c'était beau ça. Ah oui. Oh, bravo. C'est blocage, la Matrix, bon, c'est magnifique. Je pense qu'on va s'arrêter là, jusque là. C'est déjà fini. Ah, j'arrête tout de suite, parce que dans ce jeu, ce qui est formidable, c'est qu'on peut créer son équipe avec ses personnages, façonner ses joueurs. Bonus de malade. Les nommer, leur donner un nom, et on vous a préparé, bien entendu, un petit match avec l'équipe Game One.
tous les copains de Game One réunis. Alors là, du coup, je me mets en avec une toi. Seule équipe. Alors du coup, tu te mets avec moi. On va se mettre. L'équipe Level One, elle est juste là. Mets-toi sur la gauche. Ça y est, je suis avec toi. Regarde. On va se mettre contre le Eastern. Ils sont très bons. Il faut des bons parce que on n'est pas mauvais. Vous allez voir que le Level One est là. Level One contre la grosse équipe de la côte Est. Ah, on n'a pas choisi des rigolos, hein. Vous allez voir. On a pris les meilleurs. Une équipe composée des plus prestigieux joueurs de Game One. Ils sont tous là. Vous allez voir, vous allez voir. Les Game One Level One légendes. Une belle équipe. Alors vous allez voir, elle est façonnée par... De l'éminente figure. Par quelques belles figures, effectivement. Les piliers de Game One. Vous allez les reconnaître tout de suite. On va faire même la présentation des personnages. On va tout laisser. Bon, on va aller voir rentrer sur scène. Rentrer sur le playground. Voilà, c'est maintenant. Alors, on peut aussi choisir son... ce qui est bien, c'est son stadium. Et les stadiums sont... On peut voir les noms déjà. À l'image des vrais. On peut voir les noms. Ah, les noms, alors la sélection, Tommy, Pierre, Yannick, Julien et Johan. Pierre étant notre réalisateur, tout le monde le connaît. Pierre Boulet, le fameux Pierre Boulet, qui est avec nous à nos côtés dans ce beau match. Il y a des remplaçants aussi qu'on fera rentrer en cours de match, des petits remplaçants. Il va y avoir de la casse certainement. Il va y avoir peut-être de la casse parce que les joueurs sont... Alors voilà Yannick, il est là. Yannick, yeah, Yannick. Yeah baby, un grand costaud. Oh Tommy, l'homme élastique, l'homme en mousse, l'homme allumette. Il est grand, il est lancé. Pierre Boulet, notre réalisateur. Yeah, 90 kilos. Julien du Level One. Julien la moustache. Yeah magnifique. Et Johan, oh bel athlète. Oh gosse. Yeah bel athlète. Quel bel homme. Regardez, il me ressemble hein. Avec le zen comme ça, un peu pointu. Le nez qui pique. Alors vous allez voir que les particularités de ce joueur sont exceptionnelles. Ça va, Pierre n'est pas encore rentré sur le plateau, vous foutre la misère. Non, mais il est beau. Il est beau, il a une belle crête. Il est génial. Petite crête comme ça. Il est bas. Tu lui mets des bas, quoi. Ouais. On va voir tout ça. On va voir. Alors on va les appeler les adversaires. Les adversaires, on s'en fiche. Rien à faire, regardez. Et en plus, Yannick a l'engagement. Yannick, vas-y. Yannick. Oh, raté. Oh, le malheureux. Alors. Moi je suis là, j'incarne qui? Je suis Johan là. Je suis Johan. Moi je suis moi. Vos contacts, Pierre. Oh Pierre, c'est n'importe quoi. Alors Pierre le ballon. Ah oui, ce jeu est sponsorisé ainsi par ESPN. C'est-à-dire que tous les ralentis nous sont agréablement offerts par la fameuse chaîne de télévision américaine de retransmission des sports. Voilà, c'est sympa. Alors, Pierre Allongas, qui la passe à Johan. Johan qui dribble, quel beau style, quelle élégance, quelle fluidité, qui la passe. Je suis là, à Tommy. Je suis là. Tommy près du panneau, qui shoot à deux points. Oh, Pierre au rebond qui shoot. Oh, c'est incroyable. Deux tentatives. Pierre, alors. C'est malheureux. Il le repasse. Attention, on est en train de se terminer. L'homme allumette sous le panier. L'homme allumette. Allez, rebond. Tommy, l'homme allumette. C'est quand même triste. Alors, si vous n'aviez jamais vu Pierre avant, eh bien, sachez qu'il est petit. Il mesure environ 1m47. Il pèse 90 kilos. Et il a un tarmac exceptionnel. Il a ce qu'on appelle un gros tarmac. Un énorme popotin. Yannick, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, il a une crête aussi. Il est trop longtemps dans la raquette. Voilà. Alors, c'est la simulation. C'est pas forcément le jeu qu'on prend pour jouer entre copains. C'est pas un NBA Jam. C'est pas un Street Hoops. C'est pas un Street Hoops. Non. C'est vraiment pour la simulation de basket, pour faire de la stratégie. On se fait éclater. Vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup dunké. On dunk vraiment pas facilement. Et c'est pas à la portée de toutes les balles. De toutes les racks. Bah, tous les racks. Ouais, portée de toutes les bourses, les balles. Ouais, c'était un peu tiré, c'était un peu capillotracté, encore une fois. J'avoue. C'était pas génial. Donc voilà. C'est pas grave. Vous pouvez. Je ne te blâmerai pas. Avec tous vos copains, vous faire vos joueurs, leur façonner le visage. Vous pouvez leur faire des cheveux longs. Par contre, dans les coupes de cheveux, vu qu'il y a beaucoup de blacks en NBA, c'est que des coupes de cheveux de blacks. Bah non, regardez, une pure tête de punk. Oui, mais alors, à part là, effectivement, la crête. Et la brosse, il n'y a pas grand-chose. Il y a environ une quinzaine de coupes de cheveux. Et, mais vu qu'évidemment, en NBA... je suis là. Oh Pierre, Pierron. Ouais, mais oh, il a du mal. C'est incroyable. Il a du mal, il a un centre de gravité un peu bas. Il faut avoir un bon toucher tactile du bouton. Appuyer longtemps et relâcher au moment opportun. Oh, regarde ça, Tommy, le beau rebond. Tu peux la passer en avant, regarde. Il juge le terrain, il voit, il shoot.
On va faire rentrer des remplaçants. On les remplaçants. Ouais, il est temps. On a quelques beaux remplaçants en substitution. On va pouvoir faire rentrer. Eh bien, où est-ce qu'il est le petit. Ah ben voilà, Féti, la voix des moines. La voix qui fait tous les beaux sujets. On va la faire remplacer. Eh ben, je vais me remplacer moi. Je vais le mettre à ma place. Tu t'en vas? Je m'en vais. Je le fais rentrer. Tu es humble. Ça, c'est vraiment. Voilà. Oui, non, mais c'est normal. C'est un beau symbole, ce que c'est là. C'est normal. C'est normal. On peut pas non plus. Voilà. Michael Jordan va sortir, non? Lui aussi. Voilà. Ils ont pas encore. Tant qu'on garde Pierre, tout va bien. Tant qu'on garde Pierre, tout va bien. Avec ses vieux cœurs. Voilà. Et Féti est rentré. Féti, c'est le grand monsieur à lunettes là qu'on voit derrière. Il est là. Il est élégant. C'est un beau jeune homme. Il a. Je l'ai pris parce que c'était un de ceux qui se prêtait le mieux à la digitalisation des personnages. Voilà. C'était facile de prendre. Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de cheveux et forcément sa coupe était disponible. Voilà. C'est allumé, c'est une horreur. Alors Pierre à l'engagement. Pierre qui va la passer là-bas à Johan. Johan, donc je suis sur le côté, vas-y. Hop, c'est bon, voilà. Alors Julien dribble bien d'habitude. Julien. Tu sais, Julien, c'est le bel one. Ça, c'est Julien, ça. Il écoute pas ce qu'on lui dit. Il a sorti la balle. Il écoute pas ce qu'on lui dit. Il a sorti la balle. C'est quand même malheureux. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'on va sortir. Je vais montrer un dernier mode de jeu. Ah désolé, oui, mais on va pouvoir rejouer avec c'est très rapide. Avec nos petits camarades du Level One, on va aller faire un petit street match à 2 contre 2. Parce que c'est pas mal. Non, c'est vrai, il faut le montrer. Il faut montrer l'extérieur aussi. Il y a le côté simulation, il y a aussi le côté street dans ce jeu un peu. Le côté le match du dimanche après-midi. C'est exactement ça, donc on y va. On y va. Mince, on va pas pouvoir. C'est pas grave, on prendra pas nos beaux joueurs. Mets-toi contre moi. Okay. On montre au moins ce mode de jeu. Ah si, on peut les changer. Voilà, ça y est. Alors level 1, tac, je choisis Johan et je choisis Yannick. Non, c'est à toi, vas-y. C'est à toi, choisis n'importe qui. C'est en bas. Yannick, voilà. Prends Yannick. Ok, vas-y, appuie sur le X. Ok, voilà, voilà, okay. Ok, Tommy. Et le dernier au-dessus, Pierre. Voilà, Pierre. Tac, appuie sur. Voilà, on est bon. Start et c'est parti. Alors vous pouvez faire vos joueurs et après aller jouer en street, vous entraîner, parce que ça sert un peu à s'entraîner ça, le mode street. D'accord, donc on accompagne les joueurs jusqu'au bout de leur carrière, on peut les faire évoluer, et on peut les faire gagner. Il y a un autre mode dans lequel tu crées entièrement ta ligue avec les équipes que tu choisis, tu peux mettre autant d'équipes que tu veux, autant de matchs, bref, c'est la simulation par excellence. Ah, alors, joli Yannick, j'ai Yannick qui passe à Johan, qui choisit, hop, vas-y, va se matcher Yannick. C'est l'autre côté, mince, qu'on tire. C'est pas moi. Non, mais en fait, c'est toi, Yannick. Ah, c'était moi, Yannick. Ouais. On s'est échangé un petit peu les. Là. Oh, c'est des jeux. Pierre. C'est beau. Il est fabuleux, le Pierre. Donc nous, on est les. En fait, moi, je suis Pierre et Tommy, quoi. T'es Pierre et Tommy. Ouais. Ah, bah à voilà. 3 points de Pierre. Bon, bah, c'est une réussite, bravo. Il est bon. Pierre Moulet. On va se quitter sur ce magnifique panier de Pierre. On vous salue, on vous remercie, on vous dit un prochain Level 1. Un prochain Level 1, à bientôt. Ciao. Au revoir. Un beau jeu. Mobile à portée de main, alors vas-y, réponds aux questions. Tape FUN, F-U-N, sur ton portable et envoie ton SMS au 6 10 31. Gagne le mobile avec écran couleur et appareil photo intégré. Il te tente, rien de plus simple. Pour jouer, envoie FUN par SMS au 6 10 31 et gagne le Nokia 3650. Jouez, vous pouvez gagner des Game Boy Advance SP et des jeux The Legend of Zelda A Link to the Past chaque semaine. La GBA SP, c'est la toute dernière console 32 bits Nintendo format poche avec un écran rétro-éclairé pour jouer dans toutes les conditions. Et Zelda A Link to the Past, c'est deux jeux en un avec le jeu de rôle original et Force Words, la version multijoueur. La GBA SP et Zelda, c'est des heures de plaisir en perspective, alors appelez vite le 0892 68 46 63 ou envoyez GBA SP par SMS au 7 10 18.
Mettez en scène vos amis dans des canulars terribles avec Magic Surprise. On les appelle, on les piège et vous, vous écoutez leur réaction en cachette. On est chez vous là, hein? Comment ça, vous êtes chez moi? Vas-y Thierry, pète la porte! Non mais vous êtes malade ou quoi? Ça va pas, non? Faites halluciner vos amis, appelez le 0 899 70 70 18. Tu crois qu'à la Game Zone, il ressent la pression en se maquillant? Julie, par exemple, elle se maquille comme ça. C'est pas très masculin ce que je fais. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien. Moi, je trouve ça sympa, la Game Zone. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a de l'info, c'est plutôt rigolo, Julien. Oh, le Mélouane, par contre, la barre est un peu plus haute, tu vois. Ah, mais non, mais là, nous, il y a talent, quoi. Il y a charisme. Il y a grosse blague. Ah, il y a de la bonne blague. C'est fin, un esprit très fin. Moi, j'aime bien. Qui, quoi? On n'est pas n'importe qui. Non, mais c'est vrai, quoi. On peut pas comparer non plus, quoi. Après, on dit, les mecs, ils ont pris le melon, n'importe quoi. On est bon. On est resté simple. D'ailleurs, les gens ont hâte de nous retrouver. Ah oui, dans un beau level, ouais. Beau level. Beau level.